dans les animaleries, où ils sont vendus comme de vulgaires marchandises, considérés comme des nouveaux animaux de compagnie. Leurs besoins fondamentaux ne sont pour ainsi dire jamais respectés. Il faut d'ailleurs savoir qu'ils sont les animaux les plus abandonnés en France, devant les chiens et les chats. Aujourd'hui, c'est sur un sujet bien mal connu que nous souhaitons vous alerter. Il s'agit de l'angora, issue de l'exploitation de ces petits individus sensibles et vulnérables. L'exploitation des lapins angora pour leur poil est cruelle. Ces animaux non humains, habituellement sociaux et joueurs, aimant se cacher, grignoter, explorer, courir ou encore sauter, et vivant généralement en groupe de 5 à 7 individus en moyenne, se retrouvent enfermés et isolés dans des petites cages. Leur calvaire dure de longues années, rythmé par des séances d'épilation à vif et sans anesthésie, aussi douloureuse qu'effrayante. Dans les élevages visités, les enquêteurs de One Voice ont constaté des conditions de détention et de vie plus que sommaires. Les lapins sont partout, seuls, dans des cages métalliques exiguës, privés de tout contact avec leurs congénères. Ils ne peuvent rien y faire, pas même sauter dans le plafond et bas. Dans cette structure, leur vie se réduit à dormir, boire, manger. On va signer la pétition là. Il y a plein de trucs en même temps. Moi, je joue à la macaronite aujourd'hui. Ils sont considérés comme autour du Jedi. En général, jusqu'à 6 ou 7 ans. Les mâles produisent moins de poils que les femelles. Ils sont éliminés une fois leur sexe déterminé, dès la naissance ou après quelques mois d'existence seulement. Quant aux femelles. J'ai acheté un ail pour faire le retour du Jedi. J'ai attrapé la macaronite aiguë. Mais j'ai fait un lance-pierre avec la brosse à dents et une louche, avec du masque, avec les élastiques. Après la séance de torture, où leurs poils leur sont littéralement arrachés. Il y a la flash mob où il y a un truc. Si, si, mais ça dure longtemps, toute la journée. Non, ça dure jusqu'à une heure. Où tombent malades quand leurs cages ne sont que sommairement isolées.